S'il est un personnage public, Vladimir Poutine a toujours pris soin de garder sa vie personnelle loin des feux des projecteurs. Notons que elle, homme de 69 ans et père de deux grandes filles. On vous donne plus de détails les concernant. Grâce à sa relation avec son ancienne épouse, Vladimir Poutine est devenu père à deux reprises. Alors que ce dernier a lancé une offensive contre elle, Ukraine, Maria et Catherine pourraient voir leurs avoirs gelés à cause de cela. Les confidences de Lyudmila Poutina sur son ex-mari Vladimir Poutine a partagé sa vie aux côtes de Lyudmila Poutina pendant un certain temps. Lyudmila Poutina lors de la remise du prix Impression, la femme la plus importante de l'année du magazine Bunt à l'hôtel Adlon à Berlin le 08-02-05. Photo, Getty Images 50, histoire des... Amour des deux anciens tourtereaux remonte à longtemps, quand Poutine était encore officier du KGB et son ex-compagne, hôtesse de L.R. Ils ont décidé de passer à la vitesse supérieure en 1983, en se disant, de gré oui, plus ou moins, mais leur mariage a pris fin quelques années plus tard. C'est, et le 6 juin 2013 que le couple présidentiel a annoncé leur separation. Cependant, ont divorcé que cette année-là, les deux avaient déjà rencontré des difficultés dans leur relation. Ailleurs, Lyudmila avait confié certains de leurs problèmes à elle, une de ses amies proches. Écrivaine Irène Pietsch, qui a raconté les confidences de elle, ancienne femme de Vladimir Poutine dans son livre intitulé « Degré Amitiz Fragile, plus ou moins ». Le Premier ministre russe Vladimir Poutine et son épouse Lyudmila Poutine prient pendant un office de Pâques orthodoxe dans la cathédrale du Christ Sauveur, le 24 avril 2011 à Moscou, en Russie. Cette année, les églises orthodoxes et catholiques célèbrent Pâques à la même date. Getty Images. Dans cet ouvrage, auteur avait confié que le couple battait déjà de elle depuis longtemps. Elle a également indiqué qu'une fois Lyudmila a qualifié le président russe de « degré vampire », plus ou moins. Aurait également comparé à un « degré frigo », plus ou moins selon Irène Pietsch. Elle, homme des États, aurait pas toujours été tendre envers son ex-femme, n'était pas non plus fan des passions de celle-ci, qui sont elle, ésorotisme et elle, astrologie. Sur cette photo distribuée, le président russe Vladimir Poutine et son épouse Lyudmila Poutina attendent les dirigeants du G8 pour participer à un dîner informel des dirigeants du G8, le 15 juillet 2006 à Peterhof, en Russie. Photo, Getty Images. Lire aussi, la femme de Volodymyr Zelensky ne voulait pas de lui au départ car elle fréquentait un autre homme, 27 ans plus tard, elle se tient à ses côtes les filles connues et reconnues de Poutine, Maria Vorontova et Catherine Tikhonova. Grâce à son idylle avec Lyudmila Poutina, Vladimir Poutine, le sexagénaire et son ancienne compagne ont en effet accueilli leur premier enfant, Maria Vorontova, en 1985, soit 2 ans après leur mariage. Un an plus tard, le clan S est agrandi suite à la venue au monde de Catherine Tikhonova. Comme le président russe a toujours garde sa famille à elle, écart des médias et qu'il refuse souvent de parler des eux lors des interviews, on ne sait que peu de choses concernant ses filles. Si ce n'est qu'à ce jour, Maria Vorontova est G de 36 ans et a suivi des études de biologie à elle, Université de Saint-Pétersbourg. La jeune femme a également étudié la médecine à elle, Université des États de Moscou. La trentenaire travaillerait également comme chercheuse endocrinienne à la MSU. Côté vie privée, Maria Vorontova est mariée à l'homme des affaires néerlandais, Jori Jusfassen. Ils sont désormais séparés.
Quant à la cadette de Poutine et Lyudmila, celle-ci est une passionnée de danse et aurait même participé au championnat du monde de rock acrobatique en 2013. Voulant pas exposer sa vraie identité, la fille du président avait décidé de faire cette compétition sous le nom de sa grand-mère maternelle. Notamment termine cinquième lors du concours. Irine Tikhonova travaillerait chez le groupe de médias RBC-TV. Pose également à savoir, la fille de Vladimir Poutine, qui serait à la tête des une fortune de plus de 2 milliards de dollars, serait spécialiste de sciences mécaniques au conseil scientifique de la MSU. Droit d'auteur UR, Catherine S. est mariée à Kirill Chamalov en 2013. Dernier est le fils des un très bon ami du papa de la trentenaire. L'union a été célébrée dans une station ski, située à Saint-Pétersbourg et des après quelques témoins, les mariés étaient arrivés sur un train d'eau. Malgré l'amour qu'ils portaient l'un pour l'autre, leur idylle a pris fin en 2018. La punition pour les actes de leur père, cela fait plusieurs semaines que la Russie a envahi l'Ukraine. L'offensive a été lancée par le président russe, mais cela pourrait aussi porter préjudice à ses proches. Notons que la maison de Catherine Tikhonova et son ancien mari, Kirill, a fait l'objet d'effractions. Les responsables ont adressé des messages de haine envers Vladimir Poutine en inscrivant des tags sur la propriété. Notez également que la fille du président russe fait déjà partie des 200 personnes célèbres en Russie dont les avoirs pourraient être gelés. Sa droit d'auteur, Ureni, Maria Vorontova fait aussi partie de cette liste. C'est un geste très émouvant. 500, une Ukrainienne pendant la guerre en bombardant elle, Ukraine, Vladimir Poutine a bouleversé le quotidien de tout un pays. Deux personnes sont décédées depuis le début de cette guerre et beaucoup des autres ont été blessées. Parmi ceux qui souffrent de la situation, il y a cette mère qui, à cause de cette guerre, a été séparée de ses deux enfants. Ouvrez tous les détails. Lire la suite. Une Ukrainienne prend en charge les enfants d'un étranger aux horreurs de la guerre et les réunit avec leur mère. Abonnez-vous à Momam sur Google News.